Ces deux éléments, ils doivent être mis. Qui est intéressé et qui peut le faire. Je peux bien comprendre, parce que donc, c'est le premier acte de l'histoire en matière de terrorisme industriel. Et si vous avez des preuves, et probablement vous avez des services de renseignement, de sécurité, que l'OTAN et les États-Unis l'ont fait, pourquoi vous ne le présenteriez pas comme une victoire de la propagande? C'est très difficile de vaincre les États-Unis dans la guerre de la propagande parce que les États-Unis contrôlent tous les médias internationaux et beaucoup de médias européens. Et le bénéficiaire final des médias européens, ce sont des fonds américains. Vous ne savez pas ça. Donc, on peut faire ce travail, mais il vaut mieux préserver sa santé. On peut exposer ses sources d'informations et sans avoir de résultats. Tout le monde a très bien compris ce qui s'est passé. Les analystes américains le disent eux-mêmes.